Salut, ça va? Transition. Salut, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. À ce qu'il paraît, ça coupe. Parece que tá cortando. Fê, est-ce que ça coupe pour toi? Tu Non, pour m'entends? moi, Et l'image? non. Non. C'est bon ici. C'est bon ici. Ouais, d'accord. L'image aussi? L'image aussi. D'accord. Donc c'est bizarre. Moi, je vois tout coupé, mais si vous me voyez, c'est bon. N'en sais jamais. D'accord. Ceux qui sont sur YouTube, est-ce que vous m'entendez? Pessoal que tá aí no YouTube, tá conseguindo me ouvir direitinho? Me deem um ok aí. Só pra gente ter certeza de que tá tudo funcionando. E puis, on commence. E aí a gente começa a aula de hoje. Le cours d'aujourd'hui, c'était une demande de Fée. C'est un Fée qui t'a pedi d'aula de hoje. C'est un ton hommage. Cybèle, tu as quel niveau de français? C'est un quel niveau de français? Só para ter uma ideia de como eu conduzo a aula. Je crois que c'est B1, 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 D'accord, donc c'est déjà B1. un niveau intermédiaire avancé. Donc on peut bien travailler. Et ceux qui sont sur YouTube, je sais pas du tout si ceux qui sont sur YouTube arrivent à me voir. Non, c'est ici que YouTube va fonctionner aujourd'hui. Bon, on verra encore. On commence sans YouTube. Je vais partager mon écran. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on verra. Internet hoje aqui não está das melhores. Mais on commence, c'est parti. Donc, quand on parle de possessif en français, quando a gente fala de possessivos em francês, às vezes vem muita confusão porque em português a gente pensa de uma outra maneira o possessivo. E às vezes a gente tem uma palavra só, que em francês a gente tem duas ou três que correspondem àquela palavra. Então, por exemplo, meu ou dele. Como dizer isso em francês? Dependendo do caso, vai ser uma palavra, dependendo, vai ser outra. Então, isso a gente vai tentar desmistificar hoje. Et bien comprendre comment utiliser le possessif en français. Comment est-ce qu'on commence à étudier le possessif? En général, on commence par les adjectifs possessifs. Adjectif possessif. En général, on commence par les adjectifs. No geral, a gente começa pelos adjetivos. Les adjectifs possessifs. E aí, como a Fê e a Cibele já, que estão aqui na aula ao vivo, já estudaram provavelmente bem esse tópico, eu vou dar só uma passadinha rápida, chamando a atenção para aquilo que é diferente do português. Então, se je suis, par exemple, je pars en voyage, eu vou viajar. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter avec moi? Então, o que eu tenho que levar comigo? Eu vou pensar nas minhas coisas, então vai ser o possessivo da primeira pessoa. Qu'est-ce que je dois apporter, Cybèle et Fernanda? On fait une liste, vamos fazer uma lista aqui de coisas qu'on ne peut pas oublier pour un voyage. Mes vêtements. Mes vêtements, très bien. Donc ici, j'ai le pluriel déjà. Mon passeport. Mon passeport. Mes vêtements. Mon passeport. Quoi d'autre? Quelque chose au féminin. Ma valise. Ma valise, oui, c'est une bonne idée. Une fois, je suis partie en voyage et j'ai oublié ma valise. Je suis allée faire du camping, j'ai pris la tente, peguei a barraca, mais on levei a mala. C'était bon. On a besoin de l'argent. Oui. L'argent. Mon argent. Mon argent, mon argent, mon argent. Ouais, parce que argent, en fait, c'est masculin.
Et aussi quelque chose au féminin commençant par une voyelle ou un H muet. J'ai pas entendu, Fir. Je pense que tu as dit quelque chose parce que tes lèvres ont bougé, mais j'ai pas entendu. Non, non. Non, je pense. D'accord. Mon... Et moi aussi, j'ai rien. Je vais regarder ici. Ma... On imagine que je pars en voyage avec une amie. Donc, il ne faut pas que j'oublie mon amie. Donc, comment est-ce que j'organise les adjectifs possessifs? Je ferai ici un tableau. Voilà. Donc, il y aura toujours le singulier et le pluriel. Donc, les adjectifs possessifs, je les mettrai là. Donc, mon, ma, mes. Si c'est ici, je l'utilise pour le masculin, pour le féminin et pour le pluriel. Donc, masculin, féminin, pluriel. Pour le pluriel, il y a une seule forme de possessif, mais. Et le masculin, je l'utilise aussi, je mettrai ici, pour le féminin. Pour le féminin. Si le féminin commence par une voyelle, plus voyelle, ou alors par un H aspiré, voyelle ou H aspiré. Donc, si le mot commence par une voyelle ou un H aspiré au féminin, j'utilise mon aussi. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai utilisé mon ami. Donc, ce sont les exemples. Ici, donc, ce sera la première personne du singulier. Une autre manière d'indiquer la possession, c'est d'utiliser « a » plus pronom tonique. Donc, dans ce cas-là, ce sera « à moi ». « À » plus pronom tonique. « À » plus pronom tonique. Donc, je peux dire « ce sont mes vêtements » ou alors « ces vêtements sont à moi ». Donc, dans un contexte, j'aurai ici « à moi ». On verra ça un peu plus tard aujourd'hui. C'est juste pour avoir toutes les informations. Donc, ici, j'ai les adjectifs possessifs qui sont là. Et j'ai aussi les pronoms possessifs. Si je parle d'une chose qui est déjà sous-entendue par le contexte. Então, si no contexto a gente já sabe do que a gente está falando, je peux utiliser un pronom possessif. Quels sont les pronoms possessifs? Pour le masculin, pour le féminin et pour le pluriel. Je répéterai ici. Masculin, féminin, pluriel. Pluriel masculin, parce qu'il y a, il y aura deux formes. Et pluriel féminin. Ah, d'accord, il n'y a pas de texte sur YouTube. Juste une seconde. J'oublie ça à chaque fois. Ok. Comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, là, j'ai le masculin, donc masculin, féminin, pluriel, masculin. Donc, les mêmes choses. On va partir en voyage, le même contexte. Je vais voyager et on va... Je dis, par exemple, j'ai pris mes vêtements. Eu peguei a minha roupa. Minhas roupas, no caso, né? J'ai pris mes vêtements. Est-ce que toi, Fernanda, tu as pris ou teu, ou seus? Comment je dirais ça en français? Les tiens. Les tiens. Très bien. Les tiens. Donc, ici, j'ai les tiens. Est-ce que tu as pris les tiens? Pareil, je vais augmenter ici un peu.
pour avoir. Et le féminin, quel serait? Hop, pardon, pas ici. Hop, ici. Les tiens. Les tiennes. Les tiennes. Ah, pluriel, pardon. Ouais, les tiens, les tiennes. Donc, quand est-ce que j'utilise l'adjectif possessif et quand est-ce que j'utilise un pronom possessif? C'est une chose à savoir, différencier. L'adjectif possessif, il vient avec le nom. O adjetivo possessivo, a gente usa sempre que a gente tiver a coisa depois. Então, é mes vêtements, mon passeport, ma valise, mon argent, mon ami. Já o pronom possessif, a gente vai usar quando a gente não tem a coisa. C'est pour ça qu'on appelle un pronom. Je vais juste ouvrir la fenêtre pour le chat. Attends. Et les pronoms, on utilise quand on n'a pas, on sait de quoi on parle. A gente sabe do que a gente está falando. Et là, j'utiliserai les pronoms. Donc, ce sera ici. Je vais compléter le tableau maintenant. Je vais compléter ici le quadro avec les miens, les miennes. Donc, quand a gente sabe. Então, quand en portugais, a gente diz assim: meu, aqui eu vou pegar, meu passaporte. Eu tenho a palavra passaporte. Meu passaporte. Então, se está acompanhado, eu uso adjetivo possessivo. Se não está acompanhado, por exemplo, ah, esse daqui é o meu. Eu mostro meu passaporte e falo assim, esse daqui é o meu. Esse meu é diferente. Esse meu é um pronom possessif. Aí eu vou usar o le mien, les miens, la mienne. Então, eu vou completar aqui. Donc, le mien, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, aí é só repetir. La tienne, les tiens, les tiennes. E aqui também repete. Ton. Ta. Oui, mais dans ce cas, on peut utiliser ce passeport est à moi. Ce passeport est à moi, oui. À moi, à toi. Ou ce passeport est le mien, le mien. Oui. Ce passeport. C'est la même chose. C'est la même. Pareil. Ouais, ça revient au même. On peut aussi dire « ce passeport m'appartient ». C'est une autre manière de dire, d'indiquer une possession. On va voir toutes ces manières durant le cours aujourd'hui. Donc à toi, à lui ou à elle. Donc « et c'est à qui ?» Là, on a la troisième ligne. La troisième ligne, je pense que c'est la plus importante pour les Brésiliens. « Et c'est à qui ?» É o caso mais importante para os brasileiros. Por quê? Porque em português, a gente usa os possessivos, eu falo, minha roupa, meu telefone. Então, a gente usa antes do substantivo, a gente fala, né, usa o possessivo. Minha roupa, meu telefone. Mas quando a gente vai falar de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, a gente não fala sua roupa, seu telefone. A gente fala a roupa dele, o telefone dele. E o que devia ser sua, a gente passou pro teu, né? Pro tu, pra segunda pessoa. Então, em português, a gente faz essa mistura e é o que causa uma certa confusão. Então, quando a gente usa em francês para falar com uma segunda... Ah, tô falando com você, né? Então, a gente vai usar o tu, informal, ou o vous, formal. Tu ou vous. Então, se é tu ou vous, eu vou pegar aqui. Ton, ta, te. Ou então, votre e vos no plural, que a gente já vai chegar lá. Já em português, quando a gente está falando o teu, a gente usa tu em poucas regiões. Normalmente, a gente usa o você, né? E o você a gente conjuga com a terceira pessoa do singular. Então, a gente vai usar o seu, na verdade, quando a gente fala, ah, Fer, como é que foi o seu fim de semana? Cibele, como que foi a sua noite? Como que foi o seu dia? Eu estou usando o seu em português, mas seu corresponde em português à terceira pessoa e não à segunda pessoa. Então, quando em francês eu uso son, sa, se, que começa com S, a gente tem que prestar atenção, porque não tem nada a ver com o seu do português. O seu, na verdade, é ton, ta, te. Então, essa é uma confusão que às vezes aparece. A gente, falante do português, olha o som sacê e associa
com o seu, mas não tem nada a ver. Esse aqui é a terceira pessoa. Então, seria, em francês, em português, o dele e dela. E a gente também tem essa construção dele e dela em francês, só que ao invés de usar o de, a gente usa o a. Então, seria a lui, a elle. Então, o a lui, a elle, na verdade, corresponde, em português, ao dele e dela. Então, se a gente quiser comparar, né? Que é o que vem depois. A casa dela. Aí, a gente está usando essa coluna aqui. Então, em português, o que a gente faz? Em português, a gente usa essa... A gente usa o que seriam os adjetivos do francês, né? Para falar minha casa. Aí, depois, a gente fala sua casa usando a conjugação da terceira pessoa quando a gente se refere à segunda. E para a terceira pessoa, a gente pula para essa coluna de cá do francês, ó. A gente fala dele e dela. Seria isso daqui. Então, isso aqui tem que ficar claro. Donc, on continue ici. Donc, après, c'est juste répéter. Toda vez que for meu, começa com M, teu começa com T, o seu começa com S. Donc, ici, mien, tien, sien, la, sienne, les, sien, les, siennes. Voilà. J'augmente ici un peu. Je ne sais pas si ça... Oui, ça marche. Et passons donc maintenant au pluriel. Je vais faire un pluriel. À nous. À vous. Avec l'accent. À eux. À elle. Pluriel. Et ici, ce sera notre, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Donc, cette partie ici, c'est en trame, ce sera le bleu, bleu clair. Donc, adjectif possessif, c'est le bleu clair. C'est le bleu. Ce sont des bleus différents. Pronom possessif, je vais les mettre ici en vert. Voilà, c'est le vert. Donc, les pronoms possessifs, je les ai... en vert. Donc, ce sont les deux parties de notre... Je ferai comme ça, plus facile à voir, à distinguer les choses. Voilà. Autre chose, pour les adjectifs possessifs, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin au pluriel. Donc, je dis « notre » si la chose est au masculin ou au féminin. Il n'y a pas de différence. Donc ici, je vais fusionner pour bien indiquer cette différence. Voilà, fusionner. Donc, le tableau, il est prêt. Et on continue ici. Donc, les pronoms possessifs. Le nôtre. La nôtre. Les nôtres. Ici, c'est pareil. Et ici, ce sera pareil. Yaki, tabei, mais c'est quoi? Une seule forme. Nous, tu as mis oui. Le nôtre pour le féminin, c'est pas la nôtre. Oui, c'est la nôtre, merci.
le vôtre, la vôtre, le leur, la leur. Et puis ici, les vôtres. Les leurs. Donc ici, j'ai ce grand tableau avec tous les possessifs. Donc, en portugais, ce serait « aqui seria meu » ou « mon » seria « meu ». Et ou « le mien » seria « o meu ». Ici, « le mien »,« o meu ». Donc, avec ça, vous pouvez... la mienne, voilà. Je diminue un peu. Je pense que c'est pas... Sur YouTube, il va pas tout. C'était tout. Ok. Donc, voilà la théorie. Maintenant, on s'entraîne. Agora a gente treina. Je vois qu'il y a Marie-Angela qui est arrivée. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. D'accord. Donc, on va continuer notre voyage. Donc, vamos continuar aí a preparação para nossa viagem. On a ici tout ce qu'il faut. E aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. Por parler des possessifs. Para falar dos possessivos. Donc, il y avait ici ce qu'on ne pouvait pas oublier. Aqui a gente tinha a lista do que a gente não podia esquecer. Mes vêtements, mon passeport, ma valise, mon argent et mon ami. Si c'était avec à toi, se fosse en portugais, a sua ou seus, comment je dirais cette même liste? Comme que eu diria essa mesma lista? De mes vêtements, ça deviendrait quoi? Tes vêtements, de mon passeport. Ton passeport. Ouais, donc la valise. Ta valise. Oui, argent. Ton argent. Oui. Et dernier? Ton ami. Super. Donc, si tu imagines, n'oublie pas, tu dis à une personne, n'oublie pas tes vêtements, n'oublie pas ton passeport, n'oublie pas ta valise, n'oublie pas ton argent, n'oublie pas ton ami, ne pars pas sans ton ami, etc. Et là, on continue. De ton, de son, si c'est à lui ou à elle, s'il fosse deles, né? Dele, d'elle, c'est-à-dire ses vêtements, son passeport, sa valise, son argent, son ami. Et pour notre, si c'est à nous, s'il fosse nosso, notre argent, votre, leur. Maintenant, au niveau de la prononciation. Si je parle vite, si eu estiver falando bem rápido num diálogo, aí eu falo assim, não esqueçamos a... O nosso passaporte. Aí ficaria, n'oublions pas notre passeport. Como que eu pronunciei o notre? N'oublions pas notre passeport. Como que fica? Tu vas supprimer le R. Oui, le R et le E. Donc, quand je parle vite, quando eu estiver falando rápido, o notre vira notre. E o votre vai virar o quê? Vote. Oui, vote. Donc, note, vote, quand je parle vite. Autre distinction à faire. Ici, c'est un son de O, notre. Et le pronom possessif, c'est un son de O, notre. O de obra, O de ovo. Notre passeport, mais le nôtre. Autre caractéristique au niveau de la phonétique. Le, il doit être prononcé. Le nôtre. Le nôtre. Le E, il ne chute pas. Quand on parle rapide en français, a gente tende à não pronunciar os E's. Mais nesse caso, a prononciation dele est obrigatoire. Donc, a gente tem que falar le nôtre. Donc, le nôtre, le vôtre, le leur. Donc, d'autres manières d'exprimer, autres manières d'exprimer. A posse. Donc, on a vu les adjectifs possessifs, on a vu les pronoms possessifs, on a vu qu'on peut utiliser la préposition à plus
un pronom tonique, je peux utiliser aussi d'autres structures. Donc, c'est parti. Je peux utiliser le verbe être plus la préposition à, plus le pronom tonique qu'on a déjà vu, ou alors un nom. Donc, si je dis être, voilà. Donc, par exemple, faire, il est acquis le miroir qui est juste derrière toi. C'est un miroir ou c'est un... En fait, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas bien regardé. Il y a un miroir. D'accord. Donc, il est acquis. Le tableau est à moi. Oui, donc... Il est ou le tableau est. Le tableau est à moi. Le tableau est à moi. Cybèle, c'est à qui les lunettes que vous portez? Les lunettes est à moi. Sont à moi. Sont à moi. Je vais oui. Pluriel. Oui. Lunettes. Donc les lunettes sont à moi. Les lunettes sont à moi. Est-ce que vous avez un objet qui ne vous appartient pas près de vous pour utiliser comme exemple? Il y a un ordinateur. Un ordinateur. D'accord. Donc Fer, il est à qui cet ordinateur? Il est à mon mari. Il est à mon mari. D'accord. Il est à mon mari. Donc, l'ordinateur, où il est? L'ordinateur est à mon mari. Je peux utiliser aussi, il est à... Il s'appelle comment, votre mari? Flavio. Flavio ou Fabio? J'ai pas entendu. Fabio. D'accord. Il est à Fabio. Donc, je peux utiliser le pronom tonique ou le nom de la personne. Mais c'est uniquement avec le verbe être. Est à quelqu'un. Mais si je vais présenter, par exemple, « est o computador do meu marido ?» C'est l'ordinateur mon mari. Ou alors, j'ai vu, aqui ainda tem o être que pode confundir pouco na frase, por exemplo. J'ai acheté, complètement, j'ai acheté, você que comprou. J'ai acheté l'ordinateur... Comment je complète ici? Ça va indiquer l'appartenance. Avec préposition de. De. Voilà. De. Donc, j'ai acheté l'ordinateur de mon mari. Donc, j'utilise la préposition à quand j'ai le verbe être. Donc, le tableau sujet, verbe être, à. Et la personne qui possède la chose. Si c'est un autre verbe, par exemple ici, j'ai acheté ou j'ai vu les clés de mon mari sur la table. Si c'est un autre verbe, un autre contexte, là, j'utilise de pour indiquer une possession. Donc, c'est différent. C'est clair? Oui. Ouais? D'accord. Ou je peux dire aussi, c'est l'ordinateur qui est sur la table et celui de mon mari. Pronom démonstratif plus de. Também posso fazer isso. Pronom démonstratif plus de. L'ordinateur qui est sur la table est celui de mon mari. Une autre manière
d'indiquer à qui une chose appartient, c'est d'utiliser le verbe appartenir. C'est toujours appartenir à, préposition à, plus la personne. Appartenir à quelqu'un. Donc, je peux dire cet ordinateur m'appartient. Che mi pertence. C'est le verbe appartenir. Donc, cet ordinateur, je vais ici mettre toutes les possibilités. M'appartient cet ordinateur, t'appartient cet ordinateur, lui appartient cet ordinateur, nous appartient cet ordinateur, vous appartient cet ordinateur, leur appartient. Et c'est tout. Il y a déjà toutes les personnes ici. Voilà. Donc, il faut choisir à qui il appartient. Et le sujet du verbe appartenir, c'est la chose. Ordinateur. Est-ce que quelqu'un a des doutes? Non? Pierre, tu es contente? Tu es satisfaite? Très contente, Lo. Merci, merci mille fois. Parce que tu parles français déjà, tu as vécu en France. Non, je ne sais pas exactement quel était ton doute. J'ai déjà un bon niveau de langue et tout ça, mais il y a des choses qu'on oublie. Il y a des choses qui sont confuses, c'est compliqué. Des prépositions, des pronoms, en n'importe quelle langue, je pense. Ouais. Et je peux aussi utiliser le verbe avoir, par exemple. J'ai un chat. Là, c'est plus facile. Ça indique aussi une appartenance en français. Também vai indicar uma coisa que pertence, le verbe avoir. Ouais. Et Cybèle, est-ce que tu as des doutes? Non, ça marche. Ça a voulu la peine de regarder l'explication théorique. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, on passe maintenant à des exercices. On va voir tout ça. Donc, comment... Ah, j'ai oublié de dire une chose importante. Si j'utilise « on », quel possessif je vais utiliser? Par exemple, je vais dire « on va chez... » Moi et mon frère, le week-end, on va chez grand-mère. Je vais à la casa da nossa avó. Comment on dit ça en français? Quel possessif je vais utiliser? Moi, je vais écrire la phrase, ce sera plus simple. Donc, ce week-end. Notre. Oui, très bien, notre. Donc, si j'utilise on avec un sens de nous, j'utilise notre. Mais si on imagine une autre phrase, par exemple, j'ai ici, uma vez que se decidiu algo, a gente tem que seguir aquilo que foi decidido. Donc, une fois qu'on a pris décision, une règle générale pour la vie. Une fois qu'on a pris décision, il faut décision. Manque le i. Voilà. Il faut s'y tenir. Voilà. On tient à notre décision. Ici, le on a un autre sens. Ce n'est pas agente. C'est il faut s'y tenir. Une fois qu'on a pris décision, c'est uma vez que algo foi decidido. Esse on é alguém que eu não sei quem é, as pessoas em geral, uma regra de vida. Uhum. Quel possessif je vais utiliser ici? Ça. Troisième personne. Très bien, exactement. Donc, une fois qu'on a pris sa décision, il faut s'y tenir. Mais l'autre exemple, c'était ce week-end. Moi et
Mon frère, on va chez notre grand-mère. Donc ici, o on é com sentido de a gente. Donc, j'ai utilisé nous, notre. Et ici, on, c'était le sens avec un autre sens. C'est les gens en général, c'est une règle de vie. Donc, ça, la décision. Hop, il y a la batterie. Je perds la batterie. Hop, voilà. Quoi d'autre? Qui mais? Qu'est-ce quoi d'autre, on peut dire? Je pense que c'est ça. Comme règle générale, c'est ça. Maintenant, on verra les exercices. Exercice de niveau avancé pour vous, parce que vous êtes déjà des élèves de niveau avancé. Donc, on va discuter. Pas moi. Mais pas si, moi. B1 quand même. B1, B2. Il y a presque un an que j'étudie le français. Presque un an. Ah, presque un an. Là. Donc, oui, vous avez fait un progrès impressionnant en un an. C'est ah, peu de temps pour beaucoup de progrès. J'ai acheté un cours en ligne. Oui. Et après, je me suis perdue parce que je n'ai pas le matériel pour étudier. Donc, j'ai découvert Thiago, français pour brésilien. Oui. Et j'ai commencé à prendre des leçons avec lui. Et il y a Mais il est trop cool. Ouais. Il est trop cool. C'est ça. Et c'est ça. D'accord. Et donc là, il y a les exercices, le matériel et tout. C'est bien. Yeah. Eu não estou muito acostumada a lidar ainda, porque eu fiz esse curso sozinha. Estudei muito tempo sozinha. Oui. E aí eu comecei a fazer aula com o Thiago faz um mês e pouquinho, com plataforma de Zoom, aula, falar, porque eu não falava, né? Oui. Então, por isso que... Ouais, faut... Pardon. D'accord. Posso dizer, l'ordinateur... Uma pergunta aqui do João. Posso dizer, l'ordinateur appartient à moi? Non, l'ordinateur m'appartient. A gente não falaria appartient à moi. A gente fala que il est à moi ou alors il m'appartient. Ou você usa a construção être à, mais o pronom tonique ou non, ou então m'appartient. C'est les deux possibilités. Vê se tem mais alguma dúvida lá. Non, c'est ça. Donc, on continue. Ok, donc on va continuer. Ce soir, je sors avec... Je vous laisse ici. Hop, regardez le tableau. Ce soir, je sors avec amis. Au féminin, comment je complète cette phrase? Ce soir, je sors avec mon ami. Mon ami. Très bien. Ce soir, je sors avec mon ami. Ce soir, je sors avec nouvel ami. Féminin aussi. Ce soir, je sors avec nouvel ami. Ma nouvelle amie. Oui, donc c'est juste pour bien fixer la différence entre ami, eu uso mon ami, parce que ça commence par une voyelle, começou com vogal, e nouvelle amie, é feminino, mas começa com consoante. Então, ma nouvelle amie. Très bien. On complique un tout petit peu plus. On va voir. On parle d'une personne qui a trahi quelqu'un. Donc, le possessif. Non. Je change l'exemple. Une personne a trahi quelqu'un. Et on dit, cette trahison sera honte. Cette trahison sera... On parle d'une autre personne. Ah, et cette trahison va être la vergogne de la vie d'elle. Vergogne d'elle. Comment on dirait ça en français? Cette trahison restera honte. Son honte? Non, pourquoi? Leur honte. Non plus. Sa honte.
Je vais écrire la phrase parce que celle-là, elle était difficile. Oui, voilà. Comme les enfants, ils vont parler toutes les possibilités. Cette trahison restera honte. Elle honte. Non, ce n'est pas elle, ce n'est pas son. Donc, il faut arriver à l'explication et pourquoi, non plus. Ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on cherche? Lou, on ne t'entend pas. Ah, pardon. Oui. Oui. Sa honte. À cause de H aspiré. Sa honte. Son. Son hypothèse. Son hypothèse. J'ai dit ça. Mon hypothèse qu'on serait tous vaccinés. On sera, pardon. Mon hypothèse de la pandémie, mon hypothèse, c'est qu'il restera entre nous pendant longtemps. Je crois. Son histoire.
Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Donc j'ai changé de microphone pour ceux qui sont sur YouTube, parce que si tu veux aller sur YouTube, eu mudei de microphone. Mas esse microfone não é tão bom. Depois eu descubro o que aconteceu. Ok. Sur Zoom, vous m'entendez? No Zoom, continuo me ouvindo? Oui? D'accord. Super. Donc, si on est, par exemple, à une fête, estamos numa festa, e aí a gente vai perguntar: de quem é esse copo? Comment on fait ça en français? La question ou la Oui, réponse? la La question. question. Comment je pose la question? À qui appartient cette verre? Ce Ce verre, verre? oui, Ce on peut. verre? À qui appartient ce verre? C'est une possibilité. En général, il appartient au propriétaire de la maison. On peut dire, il y a cette distinction. On dit appartenir. Je peux dire, ce verre, il appartient au propriétaire de la maison. Si je suis dans une fête, par exemple, on est à une fête, je dis, ce verre appartient au propriétaire. Mais pour la fête, je l'utilise. Donc, je vais dire, ce verre est à moi. C'est mon verre. Donc, appartenir, c'est un peu plus fort dans le sens où c'est, oui, le propriétaire. Et pour les autres, si je suis en train d'utiliser ce verre, je dis que le verre est à moi. C'est une manière de le dire. Donc, ce verre appartient à qui? Au propriétaire. King Thousand, du King Ace Cop. Quelle autre possibilité? À qui porte ce verre? Qui porte ce verre? Quem está segurando esse copo? Seria uma possibilidade. Fer, Ce est-ce que tu verre, as. c'est à qui? Ce verre est à qui? Ou Est alors. à qui, Ouais, ce pardon. verre est à qui? Ou alors, c'est à qui ce verre? C'est à qui ce verre? Ou il est à qui ce verre? Une autre possibilité. Ils sont à qui? Donc, c'est à qui? Ils sont à qui? Ça, c'est un registre oral. Il est à qui ce verre? Ce verre est-il à, et puis ce qu'on veut, ce verre est-il à toi? C'est où? Oh, il est à toi, ce verre, on peut dire aussi. Il est à toi, ce verre est-il à toi? Donc, on va essayer de répondre. Je vais vous poser une question. Et vous allez essayer de répondre à la question de manière la plus vaste possible, plusieurs réponses, en utilisant toutes les manières de répondre à une question sur la possession. Par exemple, je prends les lunettes, le même exemple qu'on a utilisé au début, mesmo exemplo do começo. Donc, ces lunettes sont à qui? Aqui eu estou mostrando as minhas, né? Donc, ces lunettes sont à qui? Como vocês podem dizer de quem são esses óculos? Ces lunettes sont à qui? Ses lunettes appartiennent à Louisa. Presque. Ces lunettes sont à qui? Ok. Ça, Lui appartient à Non. elle, pardon. C'est ça? Non plus, on va voir. Ces lunettes appartiennent. Je vais écrire ce que tu as dit et après on corrige. Appartient D'accord. à Luisa, c'est ça? Ok. Ces lunettes. Oh merde, encore une fois. Ces lunettes. Ces lunettes, c'est singulier ou pluriel? Ah, pluriel. Pluriel. Et comment je conjugue le verbe appartenir au pluriel? Appartient. Appartiennent, oui. C'est comme tiens. Je tiens,
Tu tiens, il tient, ils tiennent. Donc, ces lunettes appartiennent à Luisa. Excellente réponse. Une autre possibilité. Ses lunettes sont à Luisa. Très bien. Ses lunettes sont à Luisa. Super. Ses lunettes appartiennent à Luisa. Ses lunettes sont à Luisa. Pas d'autre. On verra ici. Donc, on a déjà utilisé... On peut voir le tableau? Oui, toutes les possibilités. Voilà, on essaye ici d'utiliser... Il faut qu'on utilise... Je vais écrire, donc ici. Ces lunettes appartiennent à Luisa, ces lunettes sont à Luisa. D'accord, donc j'ai utilisé ici A plus un nom d'une personne, à Luisa. Autre possibilité? Pour utiliser un adjectif possessif ou un pronom possessif. Par exemple, ah, são as dela. On n'entend pas, Cybèle. Ce sont leurs lunettes. Très bien. Non, presque. Parce que leur, c'est le pluriel. Quand j'utilise leur, c'est à eux ou à elles, pluriel. Et moi, okay. Je suis une seule personne. C'est à lui ou à elle. Donc, comment je vais dire ça? Sont à lui. Sont à elle. Sont à elle. C'est bizarre d'entendre. Non, mais c'est correct. C'est à elle. Les lunettes sont à elle. Les lunettes sont à elle. OK. Donc, on a utilisé « à elle ». Maintenant, avec un adjectif possessif. São os óculos dela. São leurs lunettes. São ses lunettes. Très bien. Ce sont ses lunettes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas leurs lunettes? Parce que c'est une personne. Oui, c'est une seule personne. Ce sont ses lunettes. Mm-hmm. Ce sont ses lunettes. Ou alors, ce sont... São as dela, comment on dit ça? En fait, as... Oui, os dela en portugais, ce serait... Mais... Parce que lunettes, c'est féminin en français, mais masculin en portugais. Donc, comment je dirais... Qui sont ces hommes? Sont celles et Luisa. Ah, j'ai pas entendu parce qu'il y avait les deux, pardon. Ce sont les siennes. Très bien, les siennes. Ce sont les siennes. Super, ce sont les siennes. Lunettes est féminin. C'est féminin en français, oui. Féminin. Mm-hmm. Ce sont les siennes. Je peux dire aussi, sont ses lunettes. Féminin sont... et pluriel, pardon. Sont celles de Luisa. Sont celles de Luisa, oui. Ce sont celles de Luisa. Très bien. Donc, plusieurs manières de répondre à la même question. Ici, c'est correct, mais on utiliserait moins, je pense, cette forme. Ce sont celles de Luisa. J'utiliserais ce sont lesquelles. Quais são esses óculos? Ah, são os óculos da Luisa. Là, j'utiliserais avec cette forme-là. Ce sont celles de Luisa. Mais quand je demande à qui sont ces lunettes, j'utiliserais plutôt Luisa, les autres réponses. Oui. J'ai un doute. Quand on utilise « lui » pour le féminin? Ah, d'accord. Bonne question. Quand j'ai un pronom tonique, j'ai « lui » et « elle mm-hmm. ». Donc, « à lui », « à elle ». Avec « lui », donc préposition plus « lui » et « elle ». Ah, tu es avec qui? Ah, je suis avec lui, je suis avec elle.
Quand je passe de à lui, à elle, à un pronom d'objet indirect, et là, il y aura une seule forme, comme ici, pour appartenir. Donc, ce serait il appartient. Par exemple, oui. Ses lunettes. Ses lunettes. À lui ou à elle, les deux. Donc, ses lunettes appartiennent. ENT, sans accent, appartiennent à Luisa. D'accord. Ses lunettes appartiennent à Luisa. Si je veux substituer Luisa par un pronom tonique, ce sera elle. Ses lunettes appartiennent à elle. Mais on ne dit pas ses lunettes appartiennent à elle. On substitue à elle par lui. Donc, lui substitue à elle. Donc, j'ai à elle, à lui. Mais quand je substitue par lui. Parce que ça, c'est un pronom, objet direct. Ses lunettes lui appartiennent. C'est clair? Non. Alors, on répète. Dis-moi. Ouais. C'est comme en portugais. C'est comme ça, si on a par exemple un verbe en portugais, dar, por exemplo, eu dei algo a alguém. Então, eu dei uma caneta ao meu pai, a ele. Eu dei uma caneta a ele, ou para ele, né? Tanto faz a gente falar, eu dei isso para ele. Dei uma caneta para ele. Ao invés de usar o para ele no final, depois do verbo, eu usaria, eu lhe dei uma caneta. Uhum. Então, quando eu uso preposição mais pronome no final, aí é a lui e a ela. Se eu substituir tá. E colocar antes do verbo, aí vai ser lui. Uhum. Aí não tem ela, vai ser lui. Então, o lui, ele substitui o a lui e o a ela. Les deux. Ficou mais claro? Ficou, muito mais. Oui, merci. De rien. Uhum. Então, eu vou mettre ici, ses lunettes. Je vais marquer ses lunettes, en inverse de lui, ce serait appartiennent à lui ou à elle. À elle. Voilà. Ses lunettes appartiennent à lui ou à elle. Donc, et c'est à lui ou à elle, a gente não fala. Je viens aqui só para entender de onde vem esse à lui e esse à elle. Esse lui aqui, na verdade, ele é um pronome que substitui o a lui ou a elle. Ou poderia ser a Luisa. Bem. Voilà. Je vais voir si ceux qui sont. Pessoal do YouTube, vous avez des doutes? Vous n'avez pas de doutes. Donc, en gros, em resumo, qu'est-ce qu'on a? Des choses à faire attention. O que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando de possessivos em francês? E a preposição que a gente usa é a preposição a quando tiver com um pronome tônico e não o de. Então, ao invés de mim, de ti, dele, dela, a gente vai falar à moi, à toi, à lui, à elle. Primeira coisa a prestar atenção é que é a e não de. Segunda coisa para prestar atenção é essa salada aqui do à toi, à lui. O deles e delas, né? Que em português a gente usa dele e dela. Deles, delas. Seria isso aqui. Mais en français, mas em francês a gente usa son, ça, c'est, leur e leur com S. Leur com S, quando a gente usa, quando tem vários objetos. Leur sem S, quando é um objeto só. Adjetivo possessivo, a gente chama de adjetivo porque a gente tem, tem que vir com uma palavra depois. É meu o quê? Então, se for, on a la liste. Mes vêtements, mon passeport, ma valise, mon argent, mon ami. Então, sempre essa parte aqui dos adjetivos possessivos, eles vêm seguidos da palavra que está em posse de alguém, né? O quê? Do objeto. Ou alors,
J'utilise le pronom possessif. Quando que eu uso o pronome possessivo? Quando eu não digo o objeto, é subentendido no contexto. Então, ao invés de falar minha mala, ma valise, vai ser a minha. La mienne. Então, os adjetivos possessivos é o meu, não, desculpa, é meu alguma coisa, né? Minha mala, ma valise. E aqui é a minha. La mienne. E eu não falo o quê? A minha é verde. La mienne est bleue. Ma valise est verte. A minha mala é verde. Aí a outra pessoa fala, ah, la mienne est jaune. A minha é amarela. A minha é o quê? A minha mala. Não falei, então é pronome possessivo. É esse pedacinho aqui. Outra coisa para se prestar atenção. H. Si c'est un H. Ah, é aqui eu escrevi errado. Me Oui. Merci. Féminin, masculin. É. Eu uso o mon ton son é masculino, mas se for feminino que começa com vogal ou H mudo, também uso mon ton son. Mas se for H aspirado, aí é matassar. Aí a gente viu alguns exemplos de palavras com H aspirado. Tem essa diferença em francês, em H aspirado e H mudo. Je pense que c'est ça. En gros, a fazer prestar atenção é isso. Se eu não estiver usando, aí aqui eu não falei de alguns vícios, né, que os franceses têm. Então, o correto é dizer é usar o de para dizer de quem é alguma coisa. A gente usa o a quando a gente está usando o verbo être. O resto a gente usa o de. Mas aí as pessoas confundem e acabam usando o de o tempo todo. Então, por exemplo, j'ai vu les clés à mon mari sur la table.